Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avec même plaisir, nous avons entré la CAO pour nous présenter un programme dans l'encole haïtien. Moi, c'est Jacqueline Belizère, avec un grand point cap dominé actualité. Actualité électorale là aux États-Unis, Parti démocrate là avec Kamala Harris et Tim Walz, et Parti républicain avec Donald Trump et J.D. Vance mènent campagne sur plusieurs thèmes parmi eux, immigration. Actualité dans la région Moyen-Orient, l'armée Israël sauve un lot otage en bas main Hamas dans Gaza pendant la négociation pour un cessez-le-feu à continuer dans la ville Le Caire dans le pays Égypte. Et puis en Haïti, le gouvernement signé avec Taïwan un protocole d'accord pour renforcer la production du riz dans trois départements pays. C'est pour ça, yo. Avec l'autre encore, nous allons développer pour un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Actuellement, d'abord, dans la région Moyen-Orient, côté israélien, yo, frappé très fort, yo, mené opération mortelle dans Gaza et puis arrivé, libéré, yo, otage qui était nommé Hamas. Nous allons gagner plus de détails avec Valérie Saint-Louis. Au moins 6 Palestiniens étaient morts et plusieurs cas étaient détruits en bas une grosse frappe israélienne dans zone Khan Yunis dans Gaza jeudi mardi 27 d'août ça d'après ministère santé palestinien. Nous t'ai carré en bilance qui rivait sous scène côté frappe était tombé à et puis gros dégâts pendant que yo tap râlé quoi en bas des combio et puis couri poté au sous brancard enveloppé dans drap. Mentel pas gagne aucun suspens tiré. Benjamin Netanyahu continue génocide là, il gagne capacité pour tuer tout timoun yo. Cible Netanyahu yo c'est timoun ak femme. Tout kayo te gagne timoun ak femme là dedans yo. Objectif Netanyahu c'est Timoun ak Famio, d'après ça, un témoin qui était sous place, Ala Al-Najjar te dit dans une interview avec journal Reuters là. Il te dit que au moins 100 moun te blessé comme résultat frappe bombardement ça. Un résident local qui relé Hamdan te dit nous pas ka tirer moyo en dedans non toujours gain pile moun nan kay sa qui était plein. Pendant ce temps l'armée israélienne a annoncé qu'il t'a sauvé un otage dans Gaza. Kaïl Farhan Al-Qadi, un bédouin arabe qui sorti dans site Israël là pendant une opération très complexe dans sud territoire palestinien. Porte-parole l'armée contre amiral Daniel Hagari t'a déclaré dans une brève conférence pour la presse que yo t'a joindre monsieur Al-Qadi otage là dans un tunnel en bataille. Today Israeli special forces successfully rescued. Jodi a force spéciale israélienne ont arrivé libérer une otage New York qui était en captivité dans main Hamas dans Gaza pendant une mission secours complexe. Kaïl Farhan Al-Qadi qui sorti dans communauté Bédouin dans Rahat qui était kidnappé par terroristes Hamas pendant massacre 7 octobre. He is alive. Li vivant, li tourné la Kaïl en Israël. Bon côté pas le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu félicité militaire israélien yo après que été sauvé otage israélien Kaïl Farhan Al-Qadi qui gagne 52 ans. Baruch shuvcha habayta Farhan Al-Qadi. Ani mevarech et tsal va shabak. Bienveni la Kaïl Farhan Al-Qadi. Moi félicité l'armée israélienne ak Shin Betla pour yon lot opération secours qui gagne succès yon lot fois encore. N'ap travay sans pran souffle pour faire tout otage nou yo tourner. N'a fait ça principalement dans deux façons, à travers négociations et puis tous deux approches demandé présence militaire nous souterrain avec pression militaire continuelle sur Hamas. N'a continué faire ça jusqu'à ce que nous menions tout le monde la caillou. N'a rappelé que plus passé 40 400 Palestiniens étaient morts dans la guerre, d'après le ministère Santé Gaza. Et puis, Pifon, 2,3 millions de résidents zone ont été déplacés plusieurs fois et puis ont fait face à gros raté dans manger avec médicaments, d'après l'agence humanitaire. Conflit ça a été déclenché, n'a rappelé tout, après que militants Hamas ont attaqué le site Israël là, dans la date 7 octobre là. Ils ont tué 1200 personnes et puis prend plus passé 250 otages, d'après Israéliens. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio. Pendant ce temps, négociation yo a continué dans Qatar et faut dire tout que gagnent yo responsable américain qui fait connaître tout et gagne yo une série de négociations qui étaient déroulées dans la ville Le Caire dans le pays Égypte pendant que tension yo continuait à augmenter. Porte-parole président Joe Biden pour région Moyen-Orient en parlant de Brett McGurk, un bel trouvé dans Doha dans le pays Qatar pour négociation yo dans conflit ça qu'il a depuis 10 mois d'après un responsable américain qui parlait que nous citer non. Et puis gros commandant Ukraine dit l'armée a avancé dans direction Kursk alors que la Russie continue à attaquer sous Ukraine jeudi mardi 27 août 2024 là nous gain plus de détails avec Gentil Augustin Junior. Selski jeudi mardi 27 août 2024 là. Pi gros commandant Ukraine fait konnen fòs Kiev yo toujours avancé dans région Kursk dans la Russie. Mais
li averti tout que Moscou a placé force liyo sou lin les Pokrovsk côté troupes rissio avancé. Jodi a nous continuer avancer et fait un pile de dégâts dans l'armée russe là. Quitte c'est dans troupes, quitte c'est dans équipement. Comme ça, nous te prend contrôle plus passé 1294 km2 qui gagne là-dedans 100 colonies. En plus de ça, grâce à action troupes nous yo qui gagne succès, nous vraiment augmenter quantité prisonniers pour nous boucanter. Nous kembe 594 soldats russes qui prisonniers dans zone ça. Attaque ukrainio commencé depuis 3 semaines dans région Kursk la Russie. Côté yo prend 100 colonies d'après sa chef l'armée a dit. Il y ajouté que yon objectif opération Kursk la, c'est dévier force la Russie pour faire yo aller dans yon l'autre région. Pendant chef l'armée ukrainien a fait gros déclaration sa yo pour pipiti des moun mouri pendant de l'autre été en bas des combes nan yon attaque missile l'Amérique la lancé qui krasé yon hôtel nan ville Kreviri qui nan mitan Ukraine. Seri Lizak, gouverneur région Dnepropetrovsk côté Kreviri a dit sous Telegram building civil la krasé plate. Pas de gen aucun commentaire qui sorti tout suite dans la Russie. Kremlin seulement dit que force russe pas visé bâtiment civil dans attaque yo sous Ukraine. Bon côté pas président ukrainien Volodymyr Zelensky voyé sympathie by responsable agence Nouvelle Waters qui perdit yon journaliste pendant gen plusieurs l'autre qui blessé dans yon attaque russe dans Kramatorsk. Yon l'autre côté, chef agence nucléaire Nations Unies Rafael Grossi rive jodi mardi 27 août 2024 là dans centrale nucléaire Kursk que d'après Moscou force ukrainienne t'a attaqué plusieurs fois depuis une distance qui pas dépassé 40 km. Après yo t'a fin frappé yon parti dans territoire russe là. Grossi dit: premièrement, moi t'a rien remercier président russe là pour invitation dans centrale nucléaire Kursk là. Dans condition urgence ça yo. Nous tout connaît pour qui sa délégation ak moi-même nous ici là jodi a. Sécurité centrale nucléaire yo té en bas menace plusieurs fois pendant la guerre Ukraine là qui té commencé nan mois février 2022. Lè la Russie té voyé plusieurs milliers soldats traverser frontière ya pour entrer dans Ukraine. Président Vladimir Poutine accusé Ukraine jeudi qu'elle té essayé attaquer centrale Kursk là. Ukraine poko répond accusation ça. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci gentil Augustin Junior, n'a pas entré ici aux États-Unis pour nous ouais actualité électorale à côté que eh ben candidat de parti yo, parti démocrate et parti républicain, yo même y a mené campagne sous plusieurs thèmes et parmi thèmes ça yo gagné immigration. Immigration qui est un point central dans toute campagne électorale. Là. Et Jean-Robert Philippe Capsu pour nos questions ça, Capsu, non seulement campagne là, mais question ça qui a un rapport avec immigration. Eh bien, il fait nous connaître que deux partis qui gagnent opinion différente sous question. Eh bien, Jean-Robert mène nous dans Arizona qui est une zone frontalière. Effectivement, j'en dis à Jacqueline, c'est vraiment une question que l'électeur a considéré les décisions pour connait qui est dans deux candidats ça Donald Trump ou bien Kamala Harris y a voyé dans la Maison Blanche là pour occuper la maison pendant 4 ans qu'a venir là yo. Donc c'est comme ça que le candidat Kamala Harris et eh bien lui-même l'idée à positionner sur question immigration hein. Tout comme tout Donald Trump lui-même dit qui se parle sous immigration mais l'électeur a observé et ça dépend qui façon que candidat lien y approche question immigration hein, et capable convaincre électeur pour choisir une ou bien l'autre là. La.
Ça va bien longtemps, journaliste VOA Caroline Prisouti a visité ville Pierce dans le désert Arizona, côté de ramasser témoignage, Patty Burris avec Béano, qui a 38 ans, sous impact, immigrant illégal qui a gagné sous communauté. Patty Burris fait qu'on est village de Diatoune, une ville fantôme, tant qu'au côté zombie habité. Et pourtant, c'était une ville qui est plus riche dans l'État Arizona, dans une époque. Burris déclarait qu'il est fatigué avec présence immigrants sans documents, qui utilisait Clotilde à Kaili pour entrer dans l'État Arizona après fin de traverser frontière Mexique-là. Madame Burris, qui a voté pour ancien président Donald Trump, dit He's gonna deport them. Yes. Trump pourra le déporter. Oui, moi supporte la décision. Absolument, mettez-le dehors et il est capable de faire. Et il connaît qui j'en pour le faire. Président Trump est passé l'ordre pour bâtir un mirage 740 km longue sous les frontières sud-ouest états-unis dans la partie Arizona. Président Joe Biden a campé toute nouvelle construction après qu'il ait fini prêté serment. Ancien président Donald Trump a déclaré que nous sommes capables de finir la construction de mirage là dans 3 semaines. Jeudi passé, ancien président est retourné visiter Mirage Frontier, Arizona. Journal de Washington Post rapporté section Trump de visite a été construit avant même l'été président. Candidat parti républicain Donald Trump déclaré There's never been a border in the whole world. Pas jamais bien une frontière dans le monde. Côté passage la facile comme ça. C'est plusieurs millions de criminels qui utilisent pour entrer aux États-Unis. Électeur démocrate qui t'a chanté USA, USA, USA pendant la convention nationale parti a te déclaré parti démocrate la plus tolérant. Sandra Cano, un électeur qui a voté Harris, déclaré Immigrants, we belong. Nous c'est immigrants, nous prenons soin voisins, nous prenons soin une l'autre. C'est toute question. Si vice-président Kamala Harris est élu comme président, il promet un moyen pour immigrants ou vins citoyens américains et pour y retourner bay Congrès a projet loi sur immigration que le Parlement a été bloqué. Candidat Parti démocrate a désigné pour poste président fait qu'on est The Border Patrol endorsed it. Garde frontière a endossé projet loi. Mais Donald Trump croit une entente sur frontière a pas affecté. Comme ça, il demandait à l'élu dans Congrès pour vous jeter bien loin. On retourne dans la ville Pierce, dans Arizona, pour continuer à parler avec Patty Burris, qui dit nous pas quoi n'a aucun parole Kamala Harris fait côté Kamala Tayé pendant 4 années qui passaient yo pas gain personne qui passait dans ville fantôme non encore Burris ajouté li ta remé retourner dans époque côté touristes qu'on visiter zone là au lieu de immigrants. Caroline Prisouti t'a préparé reportage ça pour sa nouvelle voix d'Amérique là et moi-même Jean-Bert Philippe t'ai traduit et adapté pour VOA créole dans Washington DC. Merci Jean-Robert Philippe. Et nous prenons dans Venezuela, dans la ville Caracas, capitale là. Mais c'était gros suspense pour qu'on ait, est-ce que candidat opposition, en parlant de Edmundo González Urrutia, t'apprends à paraître devant paquet tant que ça était fait. Eh bien, monsieur, pas paraître point de tête dans paquet aujourd'hui, d'après procureur général là, Tarek William Saab. T'es capable, nous t'es capable, ouais, et plusieurs journalistes, même qui étaient là, pour regarder est-ce que vraiment, et monsieur Edmundo González Urrutia, t'apprends et paraître. Mais ça fait deuxième fois que monsieur González Urrutia boudé invitation ministère public là. González Urrutia qui est toujours dit que c'est lui qui remporte élection présidentielle yo, t'es gain pour te paraître dans cadre d'une enquête notamment pour ça relé usurpation de fonction en français, ça veut dire un monde qui volait yon titre qui pas pour lui. Pendant ce temps, gain Juan Carlos Del Pino qui est considéré comme seul membre dans opposition qui était parmi 5 recteurs dans Conseil national électoral là qui bail président Nicolas Maduro et ben et la victoire donc nous capable Urrutia là et ben monsieur lui-même il va paraître prendre tête li et en parlant de Juan Carlos Del Pino monsieur dénoncé lundi un mois après que présidentiel 28 juillet yo et ben t'es gan pile irrégularité la donne et pendant élection réélection contestée Nicolas Maduro et puis toujours dans actualité à au Venezuela et ben gagné Nicolas Maduro qui fait sa tarle remaniement ministériel qu'on s'a nommé vice-président là Delcy Rodriguez et comme ministre
pétrole, madame Rodriguez qui était ministre finance, qui était fonctionnant pour Pedro Telecha, qui lui-même qui était PDG Petroleos, en parlant de PDVSA, et Konya Livin Toune, ministre industrie dans le pays Venezuela. Donc, toujours gagné en pile parole en pile et concernant réélection président Nicolas Maduro, pendant que Maduro dit que le remporté élection à 52% voyo, même genre que conseil latébal la victoire, alors que l'opposition dit que c'est lui-même qui remportait l'élection, il y a un dossier qui était tout l'ouvrir. Vous souvenez vous à créole ou à suivre un programme dans la créole haïtienne. Merci d'être toujours branché sur VOA Créole alors que nous présentons un programme dans langue créole haïtienne. Actualité dans le pays d'Haïti, et bien il y a un dossier politique là d'abord. Jean-Tel Joseph qui présente tête comme chef opposition fait qu'on est que l'app travaille pour forcer membres conseil présidentiel transition pour qu'à démissionner parce que d'après lui, il n'y a pas amélioré la situation dans le pays d'Haïti. Nous sommes sur place dans Port-au-Prince, Renan Toussaint. Dans le cadre d'opération Libérer Haïti, ensemble organisations sociopolitiques et partis politiques qui regroupent tête en bas chapeau Réveil National pour souveraineté d'Haïti, l'ANCEA, Jean-Tel Joseph qui fait office chef opposition haïtienne a annoncé et a organisé un gros congrès national dans la date 13 septembre 2024 pour continuer réclamer démission membre conseil présidentiel transition Lydie qui pas qu'à combler principale attente population hein, qui s'est rétabli l'ordre, la paix et la sécurité dans le pays d'Haïti. Et dans le congrès de l'opposition plurielle, là, nous avons fait appel à tous les secteurs vitaux de la vie nationale. Le secteur politique, le secteur syndical, le secteur religieux, la diaspora, tout haïtien. Et dès demain, nous allons commencer le travail pour mettre le comité pour piloter le congrès. Ça. Et une fois le congrès a fait, n'a pas entendu nous sur un plan d'action commun, n'a pas entendu nous sur une stratégie de combat, sur un calendrier d'activité. Et jour du 20 septembre, qui est le jour de la naissance de l'empereur Jean-Jacques de Saline, jour ça, n'a organisé la marche des braves. La marche des braves, là, tu pouvais faire avant. Mais nous estimons, il faut nous chercher plus, nous ne pouvons pas faire même avec CTO, qui choisit 10 ans de la police haïtienne, mission multinationale soutien à sécurité en Haïti, commence à recevoir plus équipement dans le cadre de lutte contre l'insécurité. Mais Jean-Tel Joseph dit, c'est pas solution à ça. C'est pas examen, yo, by sécurité. Ça pas fait. Yo pas by sécurité examen. Yo pas by sécurité à char de guerre. Yo pas by sécurité avec pression à gros poignet. Sécurité, c'est technique. Il y a un gros expert en matière de sécurité qui dit combattre la violence par la violence, c'est quand il y a une spirale de violence. Et son phrase qui est très profonde. Pendant ce temps, Conseil présidentiel transition installé commencement week-end passé à comité pilotage pour organiser conférence nationale Cap-Gain pour présenter un rapport qui lié à révision constitution dans 3 mois dans intention organisation élection générale. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Nous capable c'est plusieurs leaders politiques qui ont même qui a bail point de vue sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti et nous avons eu occasion de rencontrer en marge de convention nationale parti démocrate à Chicago état Illinois leader unir là Clarence Renoir qui lui même a bail point de vue sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Clarence Renoir, son poids lourd, 9 présidents. Enfin 9 monde qui a prétention président qui va président vraiment en réalité c'est les conseillers présidentiels mais qui comporte, chaque monde dit, moi-même, son président. Mais son expérience qui est capable intéressante si nous faisons dans le bon sens. Comment? C'est la première fois qu'on gagne 7 mondes qui sont dans des partis politiques ou des organisations de la société civile différents qui acceptent mes têtes ensemble pour travailler même côté. Donc, l'idée est douée pour nous, une expérience unique pour nous dire, oui, faire ici un travail ensemble, c'est possible.
parce que moun sa a sorti dans un débat différent, mais yon mette tu ensemble yon travail. La deuxième chose, c'est que ou près des partis politiques qui étaient opposés, adversaires, virulents l'un avec l'autre, mais qui d'accord. Puis j'ai la sous même table là, dans le même conseil là, puis ils travaillent ensemble. Malheureusement, il y a vieux démons de la politique haïtienne, il y a vieilles habitudes qui sont toujours là, qui ne sont jamais sorties, corruption, reprendre, glisser pour banane dans papier, l'autre, etc. Fait que l'expérience n'est pas capable de prendre. Vous comprenez? Il y a des gens qui disent qu'elle va échouer déjà. Mais moi-même, je pense que, et pour avoir suivi la politique américaine en pile fois, moi, je vois côté parfois démocrate, je travaille avec républicain, que ce soit dans la chambre, que ce soit dans le gouvernement, yo, bah, et Obama te prend ministre de défense, c'est ton républicain que tu es. Et il y a d'autres expériences comme ça qui fait, ministre, secrétaire d'État, à un certain moment, il était républicain, sous parti démocrate, tout. Donc, il y a un côté que, même si nous sommes capables de nous opposer, nous allons travailler ensemble pour le bien de notre pays. Donc, expérience dans l'eau, parce que son poids lourd de 7 présidents, nous ne sommes pas habitués avec lui, et malheureusement, nous sommes tombés dans la corruption très vite, certains là d'ailleurs, qui fait que l'expérience dans l'eau a traumatisé la population et a créé déception très vite. Mais, je pense que nous avons pour devoir de travailler ensemble pour le ministre là, avec le conseil là quand même, que l'a réduit ou que les radio réformés, on ne sait jamais ça va le passer. Mais que délivrer? Délivrer quoi? Permettre que les jeunes sécurité dans le pays a pour élection faite pour nous retourner dans l'ordre démocratique. Parce que si ils nous choisissent depuis 1986, nous ne sommes pas d'accord avec un seul monde, une seule famille, un seul parti régné dans le pays pour prendre pouvoir pour lui-même. Nous voulons partager nos alternances. Mais il faut nous arriver, mettre l'élection faite. Pour que l'élection servie à mettre des dirigeants que le peuple a choisi pour diriger le pays. C'était professeur Clarence Renoir, qui c'est leader UNIR, qui était parlé avec nous Chicago, dans l'État Illinois, en marge, Convention nationale Parti démocrate. Là, c'est qu'on a dit hier, son interview, que n'a pas eu l'occasion pour nous capables de suivre dans l'intégralité sur toute plateforme VOA Creole. On parle de coopération internationale, Haïti avec Taïwan, signé un protocole d'accord pour renforcer production du riz dans trois départements PIA. Nous sommes sous place dans Port-au-Prince, Yves Manuel. Ministre agriculteur agronome Vernet Joseph n'a été collé avec ambassadeur Chine Taïwan dans le pays d'Haïti, Wen Jiankou, passé par Rafio en bas un protocole d'accord sur l'agriculture dans le pays. Protocole d'accord ça visait améliorer la production du riz dans trois départements, à savoir Sud, Nord-Est et la Tibonite. Dans l'intervention circonstance, ambassadeur Chine Taïwan dans le pays d'Haïti, Wen Jiankou, fait qu'on est lycéen avec une grande fierté à Kosa, qui selon les même témoigner engagement pays li pour continuer corriger l'état haïtien. Taïwan poursuit son appui à la production nationale du riz, surtout pendant ces périodes difficiles quand l'insécurité est tellement grave que l'impact même la production agricole. Malgré que la production locale fait face à de nombreux défis nationaux et internationaux, le gouvernement taïwanais continue de soutenir la production agricole haïtienne car son autosuffisance alimentaire, il n'y aura pas de souveraineté réelle. Ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural, agronome Vernet Joseph, bon côté pal, fait qu'on a un projet amélioration production du riz, gouvernement taïwanais a financé, montré j'effort gouvernement haïtien pour répondre à problème grand gouant dans le pays d'Haïti. Numéro un, ministère, profiter occasion pour saluer solidarité gouvernement taïwanais envers peuple haïtien, l'y inviter tout secteur qui est impliqué dans le projet pour travailler dans l'idée pour permettre lui de réussir. Et c'est avec plaisir et satisfaction que je vais paraffer un nouvel accord pour l'amélioration de la production agricole dans les régions du Sud, du Nord-Est et de l'Artibonite. Il s'agit en fait d'une initiative lié à la consolidation des efforts déjà entrepris et des efforts qui ont été toujours soutenus par la coopération taïwanaise. Coopération haïtiano-taïwanaise là dans le domaine agricole vient plus passer 50 l'année selon sa ministre fait connaître. Ministère agriculteur profiter occasion
pour remettre cadeau à l'ambassadeur Chine Taiwan Wen Jiangku, qui lui-même arrivé en fait mission l'y passé environ 4 années en dans pays. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Et actualité à Konya a mené nous dans Baratibonite dans ce mac avec Junior Racine qui pral parler nous de mouvement femme. C'est là bien chaleureux avec fraternité, plusieurs organisations femmes chrétiennes dans Baratibonite là ont organisé un forum dans l'idée pour joindre un climat la paix et stabilité dans le pays, spécialement dans le département de la Tibonite là. Madame Joujouli, coordonnatrice mouvement femmes leader d'Haïti pour la paix, a réagi comme ça. Nous avons une nation faillie à mission, côté toutes les institutions de l'État ont crasé et nous-mêmes dans la commune Saint-Marc nous assiégés par des bandits, que ce soit au nord, que ce soit au sud. Et bien, je dis à nous-mêmes, en tant que femme leader, nous avons responsabilité avec toute notre mesdames leader pour nous chita réunir à ce plan. Je dis à nous sommes là pour doter Haïti de plans de paix et de stabilité pour nous sortir dans ce système inhumain ça, pour nous arriver à gagner la paix, sécurité et stabilité pour la nation. Après conférence là, plusieurs participants qui sont dans différentes organisations femmes t'as expliqué raison qui fait répondre présent dans grand rendez-vous si là. C'est un travail qui réunit plusieurs organisations et surtout l'église. Donc, il croit que l'important pour que nous participions dans aider le pays à jouer une stabilité. Donc, stabilité, ça que nous cherchons, c'est à travers le plan de paix que nous avons proposé avec le gouvernement, la nation, pour nous dire, mais qui ça que nous voulons. Nous-mêmes, mesdames, nous avons prendre un gros engagement dans chaque communauté pour nous faire ça. C'est pour nous chita avec tout chaque groupe. Nous avons chita avec Madame Zizou, qui veut rétablir un plan pour la paix, qui, je dis, nous former un forum avec plusieurs organisations pour nous-mêmes, à travers nous-mêmes, pour nous trouver une solution. Solution ça a bon pour changement pour Haïti. C'est une belle expérience. Et nous pensons que nos jeunes Haïtiens qui ont fini, on voit un film de la déchat qui est débranché, qui va nous débattre, qui perd espoir, qui en tant que femme de débranché. Mais je dis, on va mettre tête ensemble pour prendre conscience du plan de paix, plan de réconciliation et plan de reconstruction Haïti à commencer et entre nous-mêmes, femmes chrétiennes. Ensuite, nous prenons tout le secteur qui est là. Nous corrigeons ça qu'a fait là, nous d'accord. Et nous levons quand nous-mêmes en tant que femmes d'église, leaders évangéliques, et pour nous changer ça qu'a fait là, dans la société. Atelier de travail, t'es arrivé formé pendant la journée, hein, pour être capable de joindre un résultat final. Métropole, Baratibonite Saint-Marc, Junior Racine, La Voix de l'Amérique. Merci Junior Racine et c'est avec un dernier reportage ça que nous mettons fin dans le programme. C'est ton plaisir pour nous te servir. Nous rappelons quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Et bien, actualité électorale ici aux États-Unis. Et bien, candidat de principales partis PIA, Parti démocrate et Parti républicain, y a mené campagne sur plusieurs thèmes. Et aujourd'hui, nous avons parlé de thème immigration qui divisait deux partis. Il y a chaque rally aux gens. Donc, campagne électorale a continué. Et ici, aux États-Unis, et puis dans la région Moyen-Orient, eh ben, il y a une négociation qui continue, et qu'on y a trouvé dans Doha, dans Qatar, alors que il y a une série de négociations qui étaient faites là, dans le Caire, dans le pays Égypte, et puis nous connaissons dernièrement là, dans les magistrats New York là, la caille magistrat New York là, pour Tabou Combo, il y a une distinction, mais Tabou Combo, semaine ça, encore pral recevoir, il y a une autre distinction, donc définitivement, et Tabou Combo a recevoir en pile distinction ces derniers temps. Et puis, dans le pays et Venezuela, il y a un pile suspense pour te connaître est-ce que vraiment Outia et Edmondo, Outia, il t'a paraître dans le tribunal là, dans le paquet tribunal là, parce que c'est deuxième convocation, yo te bali, mais il n'y a pas paraître. Et pendant ce temps, il y a un président Nicolas Maduro, toujours dans Venezuela, lui-même, l'a fait remaniement. Ministériel côté Delcy Rodriguez, bel joignons l'autre poste qu'on y a. Donc, ça veut dire que toujours gagné. Il y a une situation qui est très compliquée, une crise politique qui est très compliquée dans le pays Venezuela. Donc, merci pour attention. C'est là que nous fait dans le programme. Non? Merci pour attention. Merci pour fidélité. Nous remercions les amis, nous, Franklin, qui était avec nous. Baron, qui est-ce qui est derrière? Et qui était derrière? Chang Wang,
qui c'est zanmi nous asiatique nous qui c'est zanmi nous et puis semble Jean-Marc Hervé Abela qui c'est chef pupitre là. Moi c'est Jacques Lambelizac qui a cassé rendez-vous avec nous pour demain pour l'autre rendez-vous info. Bonsoir tout le monde et à demain. Attendez moun sa yo. Mais laissez-moi dire que zanmi internet nous yo. Nan nazon moun nazon moun Delma 24 moun nan Solino yo bay Bois-Calé avec deux jeunes garçons que yo dit qui c'est deux anzi moun qui fait partie groupe gang qui fait partie barbecue et qui a pédé attaquer moun Solino. Et ben nous ka di jeudi lundi an moun nan nazon bay Bois-Calé avec moun sa yo des venes m'a venir avec oui mais avant même venir avec vous bon permettre que zami yo capable tendez et comment la police coup de ça et moun yo arrêté yo et qui ça yo dit on permettre que moun yo tendez moun sa yo et zami internet nous yo. Les Blanco alias Gros Fanfan et puis 13 autres point arrestation yo parmi yo journaliste radio Regard FM lan Banab Daniel. DCPJ continue à bousquer tout individu qui a une connexion avec ancien chef gang Gros Fanfan évadé prison qui était un membre coalition vivant ensemble qui regroupait plusieurs associations criminelles qui toujours a cherché similaire troublai dans mitan population civile. C'est dans sens ça, DCPJ arrêté dans date samedi 17 d'août 2024 là. Isle Jesuit Algest. En bacon. Sonel Ismé. En bacon. Ak Simon Jacques. En bacon. Dans occasion an, agent l'audio rivé saisi 4. Après opération jeudi 15 d'août passé, Whistler alias Chris Kone, qui s'est neve Casales Blanco, débarqué dans envahi hôtel et puis poté aller yon machine avec deux pistolets. Vous avez dit? Ça m'a dit, c'est un zam. C'est un zam. C'est un tout comme moi qui mourit. Même moi, je débarque tout comme moi, pour le café en bâti. On a volé tout comme dans mon et puis tout comme dans mon machine. On a pris la machine et voilà, on a pris la machine. Si on a pris la machine, on a fait comme si on a fait un peu de travail là. Et puis on vient de la donne. Après, Chris Kone fin récupérer Zamio avec véhicule là, pressé contacter Zamil Sonel Ismé alias Radical. Yon façon pour être capable de vendre. Chris Kone. Il m'a donné le numéro samedi matin. Il dit qu'il y a une machine avec Zam pour vendre. Simba a fait venir le monde pour vendre. Pendant son El Isme alias Radical, nié toute relation Zami Taili avec Whistler alias Chris Kone, Whistler Jess Weed Algest, 24 l'année, fait quoi li ak Radical, c'est des bons partenaires. C'est monsieur? Oui. Moi, Rémi Rat, femme venue, grand chef. Pour me vendre la machine, je vais mettre les armes. Est-ce que ça le dit? Non, pas comme ça le dit. Il y a une machine pour vendre qui est illégale, il y a des armes illégales pour vendre. Je vais rentrer maintenant dans le dossier. Ça. En nous dire, qu'est-ce qu'il y a de l'illégal? Mes numéros, monsieur, je vais les contacter. En nous dire, qu'est-ce qu'il y a de l'illégal? Vas-y, sincèrement, dans 100 mètres, déjà dans la police. Simon Jacques, 61 l'année, qui se gardien yon entreprise location qui trouvait tout près envahi hôtel. Okay. La police arrête grand moun sa pour implication li nan sere ak sive zam yo pour Kinshi ainsi koni. Alors que Whistler après vin récupérer zam sa yo, d'après ça Simon fait konnen. Il dit ça pour kembe zam la. Il dit non, moi pas kembe zam parce que les grand moun mwen. Il dit non, si je ne suis pas tiré, je vais la droite dans la figure. Je dis non, je ne suis pas parce que j'ai gagné la première. Et qui va me parler ça. Je dis non, je ne suis pas tiré. Je dis non, je ne suis pas tiré. Mais il reste faire moi-même. Je dis non, je suis venu prendre. Je dis non, je suis prendre cette main. Et voilà, je ne suis pas tiré. Je ne suis pas tiré. Je dis non, je ne suis pas tiré. Je dis non, je ne suis pas tiré. Je dis non, je ne suis pas ni à l'hôpital, nous c'est une groupe quand une quand lui-même. Dis mais nous qui négro, dans des négro la banque. Qu'est-ce qui est venu voir? Éléments ça. Qu'on a mis autant d'éléments dit la fusée. Est-ce qu'on est venu voir? Oui, nous si Simba ou si elle vient nous voir là avec nous, viens nous dire pour venir voir. Oui, c'est venu d'aller l'autre jour là même. N'a fait remarquer tout. Whistler confirmé que Tonton Casales Blanco t'est impliqué dans mauvaise affaire. Même personnellement, pas fait via ton là, mais
d'après tout ça qui dit, tout ça qui est dans la radio, oui, je dis que c'est un chef. Dans quel que soit le secteur où il y a dans le pays, depuis où il y a une connexion à gang, la police a privé sur vous et puis mettez vous en bas code pour répondre à une question de la justice. En tant que deux bons amis, est-ce que la déjà le trahi ou tout ça le fait, je veux dire, nous voulons dire la police. Quand il y a un radical trahi, j'en radical parler parce que j'en baillien, c'est comme ça le radical trahi baillien. Bon, je ne vais pas trahir. Ça fait pas que ça a tiré le bon tout le temps et il dit. Ça est la police, nous innocents. Oui, devant bon Dieu, devant les hommes innocents. PNH là, dans le cas de mariage police-population, toujours compter sur bon gens collaboration, chaque citoyen, dans l'île la mener pour y faire combattre. Désir Venès et M. Siate, que ça m'était notre temps d'île. Ouemba fait quoi parler en pile, c'est la police nationale d'Haïti. Qui lui-même présenté et trois monsieur Sayo que la police arrêté toujours dans cadre première opération qui a été menée dans hôtel envahi qui trouvait dans Kafourita et pas oublié par la suite la police t'a mené des opérations dans comment la rentrer car qui ça RG en car vous voyez on met son machine qui collait avec et envahi hôtel et me songer et une responsable hôtel là mettez avec un avocat hôtel là mettre fisé ma palvin me songer qui yo même te fait connait que selon ça te comme moi même information c'est à deux monde qui habillé avec uniforme la police mais comme jusqu'à présent que yo pas gagné des éléments d'information pour connait est-ce que c'est la police vraiment et yo te même te dit yo cassé coffre fort yo volé caoutchouc yo volé batterie yo fait un ensemble de détails et yo te même dit vraiment que la police arrêté yon et gardien et compagnie ça entreprise ça et voilà mes détails que n'ego dit et monsieur certain et bien connaît et bien croit que moun yo tande ça que n'ego se dit là que nous pral faire débat sur pendant qu'il gal porter de l'autre information des Ivenes frem pas besoin saluer non soit gain en bas Geoffrey. La situation dans le dossier insécurité en dedans pays a continué kembe actualité à côté divers secteurs ou acteurs pas suspendre lever voix ou commander autorité qui dans pire au niveau dans l'état pour qu'en responsabilité pour attaquer problème non si yo pas ka arranger pour résoudre problème insécurité qui gen là surtout premier ministre Garry Conille c'est à pour wete kol qui a permettre au moins que pays a rallé en souffre suite avec exaction que bandi exam a fait dans quatre coins pays a dans département la Tibonite population est réactivée opération Boakale contre bandio si n'a regardé dans commune Goumon après et yon massacre que bandi Kokorat sans race branche Tibodom dans nord-ouest pays a fait et sous plusieurs monde écrasé plusieurs caille metté différents dans plusieurs jardin moun yo et bien gen plusieurs bandi Kokorat sans race qui prend Boakale dans mitan et population qui pratiquement dans commune Goumon qui participe de lancer SOS pour mander autorité vin prendre responsabilité par rapport avec menace qui a pesé sous tête yo la situation au moins que au cap garder si au cap sorti dans situation difficile que yo trouvé et il y a pas possible surtout dans ville Gonaïve des grosse mobilisation 28 d'août cap vin là et la police déjà notifié yo d'accord pour accompagner population dans quatre opérations que yo dit yo pral mener pour empêcher bandi Kokoratra sou continue à terroriser population et cependant il a exigé recommandement la police il a exigé l'état central pour bail la police ensemble moyens nécessaires que au cap besoin pour au cap faire ensemble activité travail pour mettre sécurité dans niveau département de la Tibonite que nous connaît qui vient après département de l'Ouest qui pratiquement ganglé tellement gain bandi qui a bail problème dans département si la blessure son et institution police nationale d'Haïti rappelé gagné 750 et aspirant qui pratiquement rentré dans l'école nationale de la police et pratiquement en pratique c'est d'autres garder pour voir si on cap mettre 34e promotion police nationale là dedans malgré situation qui très compliquée et en pile monde a demandé pour gagner 20 pour gagner et contrôle qui mettait dans mi-temps unité spécialisée parce que dit en pile là yo marié avec question bandi premier ministre docteur Garry Conille mettait biwol dans journée lundi OK dans journée lundi 26 d'août là dans le local force l'armée d'Haïti a donc a dit dans quartier général force l'armée d'Haïti a li rivé prendre décision cela parce que jusqu'à présent ministère de l'intérieur
côté de l'adouillé, parce que son chèque c'est lui-même, qui est portefeuille ministre intérieur à collectivité territoriale, eh bien, il n'y a pas qu'au bas, eh bien, il vient plus près, monsieur, la médaille Tio. Est-ce que ça va le permettre totalement que le premier ministre, Dr. Gary Conille, gagne un travail, collé-collé, un travail de proximité avec pratiquement force la médaille Tio, qu'on connaît qui très méprisé, et autorité qui passait déjà à eux, pas de jambes décider, bah, au moyen nécessaire pour le cap opérationnel, et monsieur Odu, yon préformation, yon capable. Blaise, pour pipiti, 4 bandits blessés mortellement. 2 armes à fait arriver saisies, c'est bilan opération la police, c'est mené dans la commune Gressier, 24 d'août passé. Et jusqu'à présent, la police continue à rester dans Gressier, ou à chercher, conchè fou, tout l'autre bandit qui fait partie. Et team ou bien réseau criminel et team bébé bougoy qui a bay problème dans capital pays a respectivement dans Gressier les Uderson bandi examio qui continue à faire population monter le ciel pardon à faire ça hôpital dans commune cabaret et bien pendant week-end là yo kidnappé plusieurs citoyens dans commune cela et yo pratiquement relancé avec ça qui est pour avec violence qui a fait contre population depuis plusieurs c'est comment c'est eux même qui gagne contrôle situation et moun yo a demandé avec autorité qui n'est plus au niveau, prend responsabilité pour résoudre le problème qui est là. Coordonnateur national, secteur populaire haïtien, nous voulons parler de René Bonplaisir, qui dénonçait absence volonté communauté internationale là, pour accompagner force multinationale, lui plaider en faveur et formation avec bon gens, accompagnement, équipement pour la police ak, et militaire en force armée d'Haïti pour résoudre le problème insécurité et pour bon mariage, police militaire. Avec agent de Sapio pour résoudre le problème qui gagne en dedans pays parce qu'il fait quoi il y a possibilité pour ça résoudre et au capable résoudre problème si la blessé personne nous pouvons regarder nous pouvons discuter sur ensemble pour ça et premier ministre Dr. Gary Conille dans visite li non pays a li fait yo ensemble rencontre li discuter avec ensemble monde qui ça qui regarder et Michel Joseph Matéli qui continue dans bon courri. Ouais, les autres fait annoncer sanction en pile monde t'a dit Michel Joseph Martelly pas gagne rien et pas que comme ça c'est Kounia Michel Joseph Martelly dans bon courrier blessé personne parce que business pas marcher même suite Mickey pratiquement gagne gros problème pour jouer aux États-Unis d'Amérique ensemble balle que ont gagné yo obligé camper yo obligé camper et c'est l'État c'est la police c'est magistrat dans différentes têtes et population qui dans différentes têtes côté club yoyé côté espace privé que balsa ou t'a fait et bien ou pas qu'a fait un problème situation Michel Joseph Matéli pral pratiquement nan gros problème qui côté Michel Joseph Matéli ou jusqu'à présent le te dit qu'elle te prend avion pas de monde connaît dans quelle direction fait est-ce qu'elle est en Afrique est-ce qu'elle est en Haïti est-ce que c'est dans notre state aux États-Unis qu'il y a une situation c'est ensemble question que tout le monde a pensé d'autre poser sous question si là la situation. Et en parlant de ancien président Michel Joseph Martelly Désir Venesse que zami était nous cap garder cap tendre là parce que on ensemble depuis qu'il va faire débat sur yo puisque ou tout parler de dossier Martellyan et ben nous connaît que premier en, ensemble de bal que alors en série de soirées bal musique me dit comme ça bal musical me dit comme ça vous comprenez pour nous comprendre bien ensemble de bal musical que Martelly était pour jouer là yo. Et l'ITK pour le jouer dans le week-end à la veille les Bordeaux, dans New York. Eh bien, et selon l'autorité dans New York, il a été écrit avec promoteur qui était pour faire bal Mickey dans le nightclub dans New York, que il a été dit, Piga, il a accepté, Piga n'a pris aucune décision pour que Martelly suite Mickey vienne jouer bal dans New York. Et il a été dit, quel que soit le monde, qui accepte faire Martelly vinn jouer bal dans New York eh bien autorité yo a arrêté moun sa et moun sa risque en prison ça te vinn fait que autorité dans New York yo te prend des dispositions pour que yo même en soi que yo te annulé bal ça mais Martelly te kon l'autre bal dans Connecticut aux États-Unis toujours eh bien que promoteur bal ça qui lui même c'est Mickelson Dasmi que confrère nous Luxon Saint-Ville t'ai parlé avec dans journée était lundi 26 août là il était environ midi eh bien il t'a dit que balle là toujours qu'aimé que Martelly a toujours joué dans nightclub ça que lui-même que il t'a annoncé et nightclub qui est nightclub ça qu'il t'a fait balle là eh bien on dit 2 ans après même Mickelson Dasmi ça les fait qu'on est que il a envoyé balle musicale que Martelly d'après le jouer dans espace ça et pendant que li pa ba aucune date li pa dit aucun lait que yo Martelly a joué qui donc
Eh bien, Matéli, il a décrété persona non grata dans derrière ancien président Matéli dans États-Unis. Mal dit dans la cour New York, même le dit dans États-Unis, il a décrété persona non grata derrière Matéli. Et décision ça, n'a pas rappelé avec Zemeter New York, Livini suite avec mais décision sanction que département trésor États-Unis te prend mardi 20 août là côté que yo sanctionné Matéli pour question trafic drogue blanchiment l'argent et question influence l'été président n'a créé ça les financer Corée ou ensemble de questions gang armé en dans pays et c'est ça reprocher ancien président Matéli et bien c'est que dans décision OFAC, qui c'est une entité en dedans département trésor États-Unis, il était dit que mais yo gelé question bien Matéli, il pas gain accès avec question débit carte crédit carte tout bagay sa yo et en plus mon t'a fait débat pour te dire est-ce que décision ça li c'est une décision, li pa gen aucun suite pénal. Oui, jusqu'à présent, pa gen aucun suite pénal qui comprend soit par département et d'État États-Unis ou dis-moi est-ce que département intérieur États-Unis. Mais on regardait, on était suivi. Est-ce que quelqu'un a des décisions pour suite pénale que nous pas connaît. Mais ça qui dit, puisque dans département, dans décision, département trésor États-Unis, il dit clairement que, eh bien, n'importe c'est monde qui fait business avec Matéli, n'importe c'est monde qui a un rapport avec Matéli, mais tout le monde ça y est, eh bien, il a tombé en bas sanction. Mais c'est ça commencé à faire là, dans États-Unis, dans un pile côté que Matéli a gagné pour la jouer balle avec suite Mickey. Et haïtien mobilisé, haïtien motivé, dans la cour New York, eh bien, dans date cap 2 septembre, dans les Carnaval New York pour que Matéli suit Mickey pas jouer. Est-ce que Matéli va jouer? Déjà, on est capable de dire, pas de question balle qui va le faire avec suit Mickey et pas de défiler parcours suit Mickey dans aucun côté, dans aucun club dans les États-Unis. Bien que partisan Matéli a clairement dit que, oh, il n'y a pas de question ça, pas de question si, mais je dis là, il commence à montrer à clair que, pas de aucun côté que Matéli a affiché avec suit Mickey, que Matéli va jouer. Désir Venès, Baron Swab Zubaga, non sous ça, avant qu'il entre dans le dossier de la police. Non? Bon, et pour Michel Joseph Matéli, en plus, on a posé la question, est-ce que ensemble sanctions ça yo, qui prend à l'encontre de Michel Joseph Matéli, est-ce que yo tout visé Sophia Saint-Rémy ou Sophia Matéli? Est-ce que yo tout visé Olivier? Parce que nous songez dans l'émission qui nous a gagné et bien bonheur matin, qui c'est Calfou Vérité? Aïe, matin. Nous te passe. Nous avons pratiquement fait mon tende, Olivier qui t'a pas plaint, les personnes qui t'a dit que ensemble sacré abdio affecté en pile parce qu'elle présentait papal comme un huit travailleur, mais bien que papal devine dans politique, à partir de ça, yo voyez yo tout comme volé. Est-ce que sanction ça yo, yo pratiquement renouvelé ensemble blessure qui t'a gagné dans ta famille? Est-ce que famille a pratiquement perdu ensemble des bien-être qui ont fait quoi que ont gagné? Et depuis là, il y a pas de connait politique, mais est-ce que au même tout, il y a pas connait pratique que Michel Joseph Matéli li t'a fait en dedans en pays, soit pendant le parc président, le président compa, et est-ce que li pas il y a pas connait. Pendant que tu vinn connait qui position qui ont gagné. Parce que je dis à il y a parlé de Michel Joseph Matéli qui participait activement dans déstabiliser pays, il y a parlé de Michel Joseph Matéli qui distribuait des armes en dedans pays. Yo parlé de Michel Matéli qui vend drogue en dedans pays a. Yo parlé de Michel Matéli qui rentre dans corruption, ça qui vient pour avec question l'argent ou bien faire des autres activités en dedans pays a. Même ça, t'es gagné Ronnie Célestin, t'es gagné Hervé Foucan. Net ça a été dit que t'es servi pendant t'es sénateur. Yo servi avec Venezuela arranger pour faire drogue rentrer pour vendre dans pays d'Haïti, servi avec République Dominicaine influence que t'es gagné. Jodi a, est-ce que ensemble sanction ça yo? Il a pratiquement apprêté dans quatre sanctions et mettez Michel Matéli dans difficulté pour cap jouer balle qu'il gagne yo pour faire business avec ensemble actionnaire qu'il gagne dans business yo. Ça yo pour satisfaisant pour peuple haïtien. Peuple haïtien après au prendre des sanctions qui a satisfaisant, c'est les poursuites judiciaires comme autorité yo dans pays d'Haïti. PM Gary Conille mandé avec ministre justice et sécurité publique à loi pour prendre responsabilité yo, pour contacter autorité américaine yo, pour cap ba yo liste ensemble monde qui sanctionné yo. C'est comme si Gary Conille ministre justice et sécurité publique là, alors c'est qu'il yo pas trop connaît monde qui sous sanction yo, yo pas gen nom yo,
yo mande pour yo faire et dans ça qui vient pour avec transmission l'état à l'état pour yo gagne là on fin recevoir liste ça qui ça la justice haïtienne va l'entendre pour faire c'est étape ça que mon yo a prétendre en Haïti c'est étape ça tout haïtien qui bloqué aux États-Unis pas rentrer la caillou y a prétendre il très important bless personne nous vraiment assoiffé yon chapitre comme ça nous vraiment assoiffé. OK, yo traversé comme ça dans quatre dossiers. Côté l'état haïtien, pral saisi ensemble de biens, qui n'est que ça organisé dans pays à tout. Même j'en les États-Unis saisi un paquet, même République Dominicaine saisi pour négo. Et Haïti qui pays concerné a, qui sa autorité a fait? Faut autorité arrangé pour yo rendre justice là, fonctionner pendant premier ministre c'était toujours qu'un pays que la justice pas fonctionner, qui permet ces communautés internationales là cap décider. Et je dis a, ouais même promoteur. OK? Même mettre club yo risqué pourquoi quand tu as décidé de faire balle avec Michel Joseph Matéli? Parce que c'est ça, l'État américain dit. Quel que soit le nègre, qui dit c'est promoteur, malgré sanctions qui d'accord fait balle avec Michel Joseph Matéli quand même, eh bien, il pourra en bas, il pourra le payer pour ça, l'explication de nègre très prudent, il aurait dit. Collaborateur, nous désirons venir avec l'INAP gardé ensemble de points sérieux, pas oublié. Et il y a plusieurs points qu'on a annoncé là, question sécurité, question Boakale, l'opération de la police, et dossier qui est pour avec l'ancien président Michel Joseph Martelly. Recevoir, Mdési, recevoir. Très bien, Blaise. Mdési Venesse, pendant parler de question de sécurité, parce que nous quittons le dossier et l'ancien président Martelly, hein? Et comment est-ce qui attire l'attention, comment est-ce qui vient comme information? Mon cher Mbappé, bon menti. C'est quoi ce BNCA? Non, il n'y a pas de BNCA, mon cher. Ben c'est pas faux là, on comprend jusqu'à présent là, des bois accepter comme si de un monde qui dans tout résultat mauvais, faut accepter c'est que on pas dit rien lui même tout au problème bagarre. Que je dis là, de ce ben c'est là pas même le rester sous lui. Qui ça passe comme action était révoqué et Raoul Pierre lui, que donc son dossier qui classé, bon moi malgré ça moi lui Gérald Gilles continue à faire pile tourner médiatique sur dossier ça, bon en tout cas. Mais CARICOM prend position, CARICOM a cherché à rejoindre ensemble trois, la cherche à consulter, trois parties prenantes, d'un coup, et accord 21 décembre. La cherche à rejoindre Red Aidé avec compromis historique. La cherche à rejoindre avec Piscine de Saline, pour chercher à connaître qui sa question est pour être capable d'échanger sur lui. 27 d'août qui a venu là. Bon, en tout cas, matin 27, bon, pas de jour, 27 d'août là. Eh bien, on souhaitait que CARICOM, ça le gagne, non, libéral, par connaît, parce que société comme si il boucle, il connaît ceux qui bannent corrompu, qui bannent mesdames coquins, et ça fait comme si, presque pas ben, ça important, ils connaissent ces mêmes coquins, même mesdames, yo. Et ça me d'abord dit désir, qu'on va entrer dans la question sécurité, yo. Mais avant de venir avec ben, la police, non, commissaire Jean-Ernest Muscadet, parce que ça a tout bien, je désire, ensemble avec commissaire gouvernement et Tigouavlan, les yo gen les premier opération gen les bon présumé bad gen les tande seulement non muscadin non muscadin seulement le temps des muscadin a vini oui monsieur indisposé je seulement tande muscadin a vini avec équipe li monsieur indisposé j'ai disposé mes amis a dit pour montrer que Jean muscadin toujours dit là même cadavre nèg jopel même cadavre nèg jopel non seulement que bandi yo tande yo paniqué et yo choqué en tout cas Muscadet papa et moun nan ni payan diaspora haïtien en pile côté en dans payan et c'est vrai yo pa ka di va font travail à 100% parfait mais en pile moun apprécié applaudi et remet travail fait ya commissaire Jean-Ernest Muscadet en tout cas de regarder ça avec nous mais koun ya an entrer d'emblée dans bagala désir. Moun yo te capable garder étendé et a garder avec nous en image là. Yon vidéo côté que agent de CPJ et BRI et différents autres unités de la police non menaient opération et opposer la patte sous trois individus. Et dans trois individus ça ok deux jeunes garçons n'a garder monsieur qui a parlé là n'a garder bien et gon l'autre jeune garçon et puis gon personnage. Jeune garçon qui a parlé là, qui n'a pas gardé là, avec Mao Bleu Soulier. Monsieur expliquait qu'il nous t'étendait déjà. C'était bien, ça m'était à nous. C'est que nous t'étendait, mais il y a des gens qui ont dit que dans le commencement de l'émission,